Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont tout le monde parle, puis personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ni comment faire pour y arriver. Je vous parle du lâcher prise. C'est quoi ça? Hein? Tu vas pas bien, tu pleures, t'es en colère, il se passe quelque chose, tu espères quelque chose, tu le souhaites de tout ton cœur et puis tu te dis à toi-même, lâche prise, lâche prise. Ou quelqu'un d'autre va dire, tu sais, si tu veux te sortir de cette situation-là, faut que tu lâches prise. Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait ça? Puis il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui vont un peu plus en profondeur que ça. C'est plus des termes qui sont vraiment comme envoyés comme ça. Lâche prise, c'est important de lâcher prise. Ah, le lâcher prise. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? En fait, j'ai eu le privilège et le plaisir d'écouter une conférence de Colette Portelance. Je sais pas si vous connaissez Colette Portelance, mais c'est un petit trésor national. J'adore cette femme-là. Et elle a une façon d'expliquer le lâcher prise qui est vraiment très, très, très concrète pour vrai, là. C'est vraiment rafraîchissant. Ça fait du bien. Ça fait comme ping! Oh! OK! C'est beaucoup plus simple ce qu'on pense. Okay, parce que quand on s'arrête à lâcher prise, là, on se complique la vie parce qu'on cherche comment faire ça, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les 12 étapes, comment on fait. En fait, le lâcher prise, c'est un peu comme si on pesait sur pause. Okay? Donc, le lâcher prise, ce n'est pas de baisser les bras. Le lâcher prise, ce n'est pas de renoncer. Le lâcher prise, ce n'est pas non plus de faire l'indifférent devant quelque chose qui est important pour nous. On va pas se mentir. On va pas dire, ah oh non, je suis un être unifié qui accueille et accepte tout ce qui se passe, puis je vais tout effacer les émotions pour être toujours au beau neutre, hein, toujours au beau fixe, zen. Non. Le lâcher prise, ce n'est pas d'arrêter de souhaiter des choses qu'on aimerait vivre. Ce n'est pas non plus d'arrêter de vivre des émotions. Le lâcher prise, selon Colette Portelance, c'est vraiment beau. C'est que je me permets un arrêt d'agir. OK? Ça veut dire, là, je me fous la paix un peu. OK? J'arrête de réfléchir, puis le hamster qui tourne pour trouver des solutions, puis des nouvelles façons de faire, puis d'explorer. On aime ça, explorer. Vous faites ça avec moi tout le temps sur la page Vivre à coup de cœur. Ça fait du bien, on apprend à se connaître, mais on ne peut pas faire ça tout le temps. Sinon, on va capoter, là. OK? Des fois, il faut se foutre la paix. Des fois, il faut peser sur pause, puis il faut arrêter. Arrêter tout ça. OK? Les défis, les obstacles, les problèmes, ils vont pas s'en aller par magie, là. On peut peser sur pause, puis revenir plus tard. OK? Donc, lâcher prise, c'est d'arrêter d'agir maintenant, ce qui veut dire de faire n'importe quoi, d'essayer tout, un peu dans la frénésie d'essayer de régler quelque chose, puis agir, 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 agir. J'agis plus, je lâche prise. J'arrête. Je cesse. Je prends une pause pour mieux agir plus tard. Ah! Lâcher prise, là, c'est pas je m'en lave les mains, on n'en parle plus jamais parce que j'ai lâché prise. C'est pour ça qu'on a de la misère à lâcher prise, parce qu'on ne veut pas lâcher, c'est important pour nous. Mais lâcher prise, ce n'est pas ça. Lâcher prise, c'est dire, en ce moment, ici, maintenant, je me fous la paix, j'arrête d'agir. J'arrête d'agir là-dessus, j'arrête de penser à ça. Puis ça va me donner une pause, ça me donne un break
pour que je puisse récupérer un peu de l'énergie, que je puisse me ressourcer. Puis après ça, quand je vais peser sur play, ben, je vais mieux agir sur cette situation-là plus tard parce que j'ai lâché prise pendant un moment. OK? Concrètement, si vous vivez une situation difficile et vous ne savez pas quoi faire avec ça, une relation, par exemple, puis vous ne savez pas, je reste-tu, je m'en vais, je quitte, séparation, divorce, je fais quoi? Ou même en amitié, ou même avec un employeur, je reste, je pars, je fais quoi? Puis là, bon, tu réfléchis, tu fais des pour, des contre, tu fais des actions, tu vas voir quelqu'un pour avoir de l'aide, c'est tout correct, tout ça. C'est juste que, à un moment donné, bouh, on devient saturé, puis là, c'est comme, paf, c'est trop, c'est trop. Puis là, on va capoter, comme on dit au Québec. Donc, lâcher prise, c'est de dire, je sais, je comprends que cette situation est importante pour moi. Je sais que pour mon bien-être, il faudrait que je fasse quelque chose avec ça. Mais là, je suis fatiguée et je ne suis pas obligée de le faire maintenant. Pout! Je pèse sur pause. Puis, qu'est-ce que je fais pendant que je pèse sur pause? C'est pas comme si on se débranchait et ça fait. On fait plus rien. Non. Je pèse sur pause là-dessus. Puis là, ce que je fais, c'est que j'arrête. J'arrête tout ce qui est le mental, puis le raisonnement, puis de chercher, puis l'exploration, puis tout ça, tu sais, qui est très, très, très demandant, c'est très énergivore. Puis ce que je vais faire, c'est que quand je fais ça, je décroche de cette partie-là. OK? Puis là, ben, je vais peut-être faire d'autres choses. Je vais aller prendre une marche, je vais écouter un film, je vais aller me promener en voiture, je vais aller marcher avec le chien, je vais aller faire d'autres choses. J'ai pesé sur pause sur cette situation-là. J'ai lâché prise pour l'instant sur l'affaire qui prend toute la place dans ma tête, qui m'empêche de dormir, etc. J'ai lâché prise. J'ai pesé sur pause là-dessus. Ça me donne du temps pour penser à d'autres choses, pour faire d'autres choses, pour me faire plaisir, pour voir des gens, pour aller prendre un café avec une amie, pour écouter de la musique, pour aller voir un concert, pour vraiment aller me nourrir autrement. Puis qu'est-ce qui arrive? Pensez au moment où vous avez fait ça. OK? Ça peut être très simple, là. Vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez dans votre tête, ça vous empêche de dormir. Essayez de savoir c'était où vous étiez quand c'est arrivé telle affaire. Puis vous n'y arrivez pas. Puis là, vous dites, ah, c'est pas important, on va oublier ça. Puis là, ben, vous êtes en train de faire la vaisselle 3 jours plus tard, puis pouf! Qu'est-ce qui est émergé? La réponse à la question. Parce que je me suis foutu la paix un peu. C'est vraiment ça, lâcher prise. Quand on décroche du mental, de l'obsession, de la question, de chercher, 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 puis chercher, il y a de la pression là-dedans. On a de la pression, puis on se sent poussé, on se sent tiré, on se sent pris. On n'est pas bien, puis on cherche, puis on cherche, puis on cherche, puis le plus qu'on cherche, le plus qu'on est dans un tourbillon, puis on voit rien. Mais quand on lâche prise, on arrête d'agir là-dessus pour un moment. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vu qu'on n'est plus dans cette course effrénée au niveau mental pour trouver quelque chose, mais c'est une autre intelligence qui fait son apparition. C'est là qu'on va avoir l'inspiration. C'est là qu'on va avoir l'intuition, la bonne idée, l'image, l'idée qui va venir, qui va émerger. Puis là, vous allez dire, ah, j'y pensais plus à ça, mais peut-être que ça serait une bonne solution. Oh. Puis c'est bien moins dur. C'est bien moins dur physiquement, émotivement, sur le mental de, tu sais, de prendre une pause, puis de créer un petit peu un environnement propice où est-ce qu'on est bien, on est calme, on est détendu, puis là, l'idée peut émerger. La solution pour vous. Mais il faut lâcher prise avant. Puis lâcher prise, c'est de savoir que c'est important pour moi et je vais y revenir. C'est juste que là, j'ai besoin d'un break. Je me fous la paix. Donc lâcher prise,
c'est arrêter d'agir, arrêter de penser, ne pas choisir, ne pas décider maintenant, puis de laisser place à cet espace, de créer de l'espace pour que les idées puissent arriver naturellement. C'est ça, lâcher prise. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça, c'est tellement une belle façon de l'expliquer. Je trouvais que c'était précieux et c'était important de le partager avec vous. Donc, j'ai très hâte de vous lire, de voir ce que vous pensez de ça. Si cette façon de voir le lâcher-prise-là est plus concrète pour vous, si c'est... Tu sais, c'est plus facile à concevoir un petit peu comment on fait, puis comment ce fonctionnement-là survient dans notre corps, puis dans notre vie. Si ça fait du sens pour vous, ben j'ai hâte de vous lire là-dessus. Et je vous invite aussi à partager la vidéo si vous pensez que ça peut être précieux pour quelqu'un d'autre. Moi, quand j'entends quelque chose de précieux ou quand je vis quelque chose ou que je vois quelque chose, ben je me dis, OK, je garde pas pour moi, je partage largement parce que c'est important en tant qu'être humain, je crois, de s'accompagner les uns les autres, de s'entraider comme on peut, quand on peut. Donc, vraiment en toute transparence, moi, je vois quelque chose puis ça vous revient, c'est sûr, sûr, sûr. Et ben, si jamais ça vous tente d'échanger avec nous encore sur différents sujets qui sont en lien avec le bien-être et la santé mentale, ben, vous pouvez joindre tous les réseaux sociaux de Vivre un coup de cœur que vous allez retrouver sous la vidéo à la fin de cette vidéo-là. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!